Hey yo up tout le monde, c'est Smartboy. On se retrouve donc aujourd'hui dimanche pour l'ouverture d'un coffret dresseur d'élite, comme il s'appelle en français, plus connu, plus connu pardon, sous le nom de Elite Trainer Box, donc en US, hein, qui est un super item. C'est vraiment un magnifique item. Alors c'est un item qui coûte un peu cher malheureusement. Je l'ouvre vraiment pour le, la beauté de l'item, parce qu'au niveau de la série, je suis pas mal avancé. Euh, voilà, j'ai euh, ouvert la valisette le week-end dernier. Je vous la mettrai euh, ici si vous ne l'avez pas vue où j'ai eu une pioche de dingo. Donc je vous inviterai à aller voir cette vidéo d'une un, autre... Euh, voilà, c'était un autre item. Hein. La, la valisette Pokémon qui est vraiment un, un, un super item également. Je vais déblister la box au haut. Avant toute chose, j'ai pas pu faire de vidéo euh, vendredi parce que j'ai eu un emploi du temps euh, très 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 chargé. Et donc du coup, je voulais pas bâcler la... Je voulais pas bâcler la vidéo, je vous avais prévu une vidéo illustrateur sur Atsuko Nishida. Bah, du coup, voilà, ça attendra la semaine prochaine. Voilà, alors du coup, je vous fais un petit tour de la box. Donc, vous avez ici, oh. oh voilà, je vous le montre un peu en gros plan. Ici, bah, vous avez rien de spécial. Derrière, vous avez le contenu du coffret. Je vais mettre un peu de lumière, histoire que vous voyez. Voilà, vous avez le contenu du coffret. Et puis, bah, voilà, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se l'ouvrir. Le... Donc, ça, c'est le guide de jeu. Ok, comme ça, je vous fais un petit tour de la box. Je vais pousser ça là. Ça, c'est juste un bout de carton. On va l'enlever. Voilà. Donc, avant d'ouvrir ce magnifique coffre au trésor, je vous montre le guide de jeu. Donc, voilà, ça se présente comme ça. Attendez, je vais reculer un peu le. Voilà. Ça se présente comme ça. Donc, c'est magnifique. Hein c'est vraiment classe. Le, le livret de jeu est très qualitatif. Hein très euh, très euh, vernis. Enfin, voilà, très cool. Avec ce, ce, côté or et noir, là, hein, qui est vraiment joli. Et puis à l'intérieur, bah, ça vous apprend un peu à jouer. Et surtout, vous avez les cartes de la série. Donc, vous voyez, donc, moi, ce qui me manque, ce qui me manque, c'est le Genesect Brillant, que j'ai toujours pas pioché. La Mewtwo Full Art, je l'ai. Et puis, il me manque, évidemment, là, euh, il me manque Entei Rainbow, Mewtwo Rainbow. Mais vu que j'ai déjà l'artwork, je m'en fous. Le Zoroark, je l'ai pas, j'aimerais bien le choper. Et le Mewtwo Tube. Voilà. Sinon, au niveau des artworks, j'ai à peu près tout. Je vous montre. La fresque de du coffret. Alors attendez, je vais ouvrir ça. Voilà. Donc à l'intérieur, vous avez une petite fresque. Vous avez ici Genesect. En fait, ça reprend les illustrations de booster. Hein. Ici, vous avez Mewtwo. Ici, vous avez Mew. Et ici, le Raikouza. Voilà. Donc toutes les Elite Trainer Box hein, ont cette petite fresque là, qui est vraiment euh, très 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 sympa. Et puis du coup, ben on va s'ouvrir le contenu. Donc vous avez une petite boîte. Bah attendez, je vais déjà sortir les boosters. Donc normalement, il y en a 10 et j'ouvre cette, euh, cette valisette. Enfin cette valisette, pardon. Ce coffret. Principalement pour... Alors attendez, je vais essayer de la choper. Où est-ce qu'elle est, qu est Voilà. Je vais vous montrer ça. C'est principalement, donc ça. Attendez, j'ai pas beaucoup de place sur le bureau. Je vais pousser ça. Tac. Ça c'est bon. Voilà. Ça ce sont les boosters. Et ça c'est la boîte. Voilà, ça c'est quoi Les séparateurs. Ouais. Le, le code, je vous le laisse. Voilà, je le garde pas. Je vous l'offre. C'est cadeau. C'est cadeau. Tac. Ça, qu'est-ce que c'est Ah oui, ça, c'est le marqueur GX. Voilà, donc vous avez déjà. Je vais pousser ça. Vous avez déjà la boîte, qui est magnifique. Hein. Vous voyez, ça peut... ça peut servir de boîte de rangement. Je vous avez déjà ouvert une Elite Trainer Box hein, sur la chaîne. Une Elite Trainer Box euh, Soleil et Lune, à l'effigie de Luna, là. Voilà, donc ça, c'est la boîte. Vous avez ici un petit set d'énergie. Donc ça, pour jouer, c'est bien pratique. Vous avez surtout cette magnifique OO brillant que je suis très content de posséder, qui a l'air impeccable et qui partira chez PCA, voilà sans nul doute. Je l'enverrai chez PCA, voilà. Je la déblisterai plus tard. Vous avez ici euh, des dés hein, qui servent de marqueur de dégâts euh, lorsque vous jouez. Vous avez un magnifique paquet sleeve à l'effigie donc de OO, très 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 sympa. Bon, le mien est un peu ouvert, du coup je pense que je l'ouvrirai quoi qu'il en soit tac donc ça c'est cool vous avez les séparateurs que vous mettez dans la box en fait ça vous sépare les séries hein. donc par exemple voilà ici donc vous en avez quatre ici vous voulez mettre les ultra rares hop là vous mettez vos ultra rares là vous mettez vos communes peu communes. après vous mettez vos zolos etc ça vous permet de séparer donc ça c'est plutôt cool vous avez un marqueur de un marqueur gx et puis euh, le truc euh... enfin l'effet le, confus et empoisonné voilà quand vous jouez c'est bien pratique et puis ensuite vous avez 10 boosters. Donc on va se faire plaisir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous avons donc un Genesect. Deux Genesect. Euh, euh, ok, plus de Genesect. Très bien, donc on a du Mew. On a du Mewtwo. On a 4 Mewtwo. Deux Mew, 2 Raikwaza et 2 Genesect. Bah écoutez, on va se les ouvrir, voilà, comme ça. En espérant qu'on ait une bonne pioche, les copains, j'aimerais beaucoup choper la Mewtwo Tube. Enfin, vous savez, la Mewtwo secrète hein, que j'ai pas encore pioché. J'espère que vous me voyez bien. Et puis du coup, mais voilà, on va commencer. Donc j'espère de votre côté vous allez bien. Moi ça va très très bien. Hein, voilà. un, peu, un peu débordé au niveau de mon emploi du temps, mais, euh, mais voilà, ça va. Donc là voilà, cette semaine, il y aura deux vidéos. La semaine qui arrive, je pense qu'on en fera deux aussi. Sauf si je peux en faire 3 si j'ai le temps et que j'ai le contenu. Hein, parce que bon, je ne vais pas vous faire 3 vidéos si, euh, si j'ai rien à vous présenter ou si j'ai rien à vous dire. Allez, bah du coup, je me pousse un peu voilà, pour que vous puissiez me voir. L'énergie fait Florizard. Bon, moi, ma série est complète. Hein. Il me manque surtout les Ultras. Vortente, Enfin, surtout, pas beaucoup, mais il me manque quelques-unes. Pikachu. Abo. Voltor. J'aimerais aussi beaucoup choper, euh, choper Zorua... Euh, euh, Rainbow, j'allais dire. Zorua euh, Reverse. Parce que Pyronie en reverse, et derrière, nous aurons une holographique. Ouais, c'est un Eveltal. Ben J'ai eu beaucoup de mal à choper cette carte, et puis, ben, on... quoi, deux, deux objets, hein, je l'ai récupéré deux fois. Donc ça, c'est très bien. On va la laisser ici. Je vais la mettre là, dans le fond. Hop, là, tac. Et les boosters, on va les mettre ici. Voilà. Euh, donc voilà, ouais, je vous disais, il me manque, il me manque encore, euh, il me manque encore Genesect, 1, 2, 3, 4. Il me manque encore la Mewtwo Rainbow. Enfin, il me manque quelques cartes, hein, mais euh, voilà. Super rappel. Chris, j'ai bien avancé la série. Double énergie Incolore, Limonde, Quilflich, Balignon, Baguiguane, Liputu, Florizard en Reverse. Et derrière nous on aurons... Ah! Une GX, bah du coup, ça c'est Raichu. Ouais, ça c'est Raichu que j'ai déjà pioché euh, à la dernière ouverture à la valisette. Hein. Attendez, je vais pousser ça. J'ai des cartes un peu partout. Voilà, je vais la mettre sous sleeve. On sera bien. Tac, voilà. Bon bah très bien, notre premier ultra, ça c'est bien. Alors les Lead Trainer Box, hein, ce qu'il faut savoir c'est que c'est un item qui est quand même un peu cher. Voilà, c'est pas un item qui est donné, mais euh, bon je vous, je, vous, je m'attarde pas sur la Raichu GX, on l'a déjà pioché la dernière fois et puis. Voilà, je pense que vous la connaissez. Mais ouais, c'est un item qui est un peu cher, mais c'est vraiment un bel item. Voilà, il y, y a beaucoup de choses à l'intérieur, c'est très complet. Voilà, c'est vraiment un, un bel item à découvrir. Je préfère la valisette. Voilà, pour le coup, pour le prix d'une Elite Trainer Box, je préfère m'acheter deux valisettes. Mais euh, voilà, l'Elite Trainer Box, c'est quand même un bel item. Énergie, oh Arbok. Énergie de distorsion, échange. Puis il y a eu pas mal de choses qui ont bougé de mon côté. Bon, je vous expliquerai tout ça. Le vendredi 8, c'est mon anniversaire. Je pense que je ferai un petit truc. Je sais pas trop encore, mais je pense que je ferai un petit truc. Abo, Pikachu, Crocodile, Chacripant, Chapignon en reverse. Et derrière. Oh putain, c'est une brillante. La 42, qu'est-ce que c'est Girachi ou Mew Oh yes Yes Bon c'est la troisième fois que je pioche de cartes hein, mais euh, ok bah fort bien fort bien. Elle a un petit défaut. Vous voyez Ouais, elle a un petit défaut sur l'effet brillant. Alors je sais pas si c'est tous les hiérarchies mais est-ce que vous voyez là, voilà, ici. Bon, peu importe, c'est pas grave, je m'en fous. Je m'en fous, j'avais déjà cette carte en deux exemplaires. D'ailleurs, elles sont parties chez PCA. D'ailleurs, vous pouvez toujours faire vos pronostics pour PCA. Je vous mettrai la vidéo ici pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais vous pouvez toujours faire vos pronostics et tenter de gagner une certification. Voilà, pour ceux qui n'ont pas commencé, pour ceux qui n'ont jamais encore envoyé de carte chez PCA. Voilà, le précédent gagnant du concours, c'est Adrien, de la récré. là, j'espère que cette carte, ah non, c'est de la poussière. J'ai eu peur. J'ai vu quelques défauts, mais non, ça va, c'est la poussière. Allez, énergie fait. Bon bah pour l'instant on est très bien, hein on se gave encore. Hypervolt, de toute façon je vous dis cette série me réussit. Pyrax, Caiminus, Mustebwe, Posipi, Matoufeu, Le Baguiguane, Voltorb, en Commune Rivers Et derrière nous aurons ça, c'est peut-être Shaimin, Shaymin ou Viridium. Ah bah voilà, Shaymin. Shaimin. J'aime beaucoup ce holographique. Hein très joli. C'est pas la plus belle holo de la série, mais euh, je la trouve très sympa. J'aime beaucoup le, le, les couleurs très très claires de la carte très argentée. Je trouve ça vraiment cool. Illustration de Mizue. Très sympa. Il nous reste 6 euh, boosters encore. Donc on a encore largement le temps de se faire plaisir. Bon, pour l'instant, hein, l'ouverture est, est tout à fait gagnée. Hein, entre la OO brillant, euh, le girashi brillant, le Raichu GX, hein, c'est plutôt cool. Allez, et je crois que j'ai vu quelque chose. Alors j'espère que ce sera la Mewtwo Tube. Ce serait vraiment bien. Si c'est la Mewtwo Tube, les gars. Euh, non, je vais pas dire que je me mets torse nu parce que je ne suis pas d'avis de la farge. Et puis de toute façon, si je la chope, vu qu'il y a plusieurs probabilités qu'elle tombe, ça m'ennuierait quand même de vous monter mon, mon torse musclé euh, et ma musculature de rêve. Ah ouais, Air bizarre Zorua, très cool. Posipi. Ah, le Viridium, une holo-reverse. Bon, je l'ai déjà pioché plusieurs fois. Et derrière, non, pas d'ultra, bah ça doit être Viridium. Ouais, c'est Viridium, holographique. Ok, très bien. Allez, poursuivons. On est à la moitié de l'ouverture, hein. pour l'instant. Euh, une brillant et une GX. Ça c'est le top. Ça c'est le top. 1, 2, 3, 4. Allez, énergie acier. flotte, récupération d'énergie. Bagaïde, Pyronie, Flamiaou, Chapignon, Voltorb, Gringolem. Ah bah Golem à stock. Très bien, c'est une peu comme une reverse et derrière. Oh putain, c'est une rainbow. Ah non, c'est pas une rainbow, c'est une full art. Oh, putain. Trop cool les mecs. Oh putain. Oh, on se gave. On se gave les copains. On se gave. Mais total. Cette série est vraiment jouissive. On se gave. Oh mince, batterie faible. Bon, ça va tenir. Oh là là, elle est nickel. Elle est nickel. Elle est nickel. Oh là là, mais regardez-moi la beauté de cette fucking carte. Oh là 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 là, là je suis trop content. Dernière, euh, dernière ouverture, la valisette. Je demandais une carte, je l'ai piochée. Là, je demande une carte, je la pioche. Non, mais regardez-moi, les gars, il nous reste 4 boosters. On est déjà à Jirachi Brillant, Mewtwo Secret, Raichu GX. Autant dire que l'ouverture est gagnée, que la pioche est géniale et que je vais compléter ma série. Oh là 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 c'est fantastique. Sans oublier le haut haut brillant, c'est fantastique. Bon, je, la, je, je poursuis l'ouverture, je referai une petite rétrospective après. Carte de Mitsuhiro Harita, hein, bien sûr, pour ne, pas le, pour ne pas le nommer. De toute façon, hein, ce mec là est un génie. Oh là, là bon bah écoutez, hein, si on peut encore se payer le luxe de piocher quelque chose, non mais alors on se gave. On se gave. Les quotas de SL3.5, mes amis, sont complètement pétés par rapport à SL3 ou à SL4. Euh, SL 3.5, vous voyez, j'ai ouvert six boosters pour l'instant, 1, 2, trois ultra. Voilà, euh, donc euh, ça fait une ultra tous les deux boosters, euh, c'est carrément euh, indécent quoi. Electrode, léopardus, récupération d'énergie, Posipi, Liputo, Nicky Minage, hein, dédicace au prof chaîne comme il l'a Nico, hein, comme il l'a il l'a rebaptisé Crocodile, -cro Baguiguane, Pyronille. Bon bah du coup heureusement que j'ai pas mis heureusement que j'ai pas dit que j'allais vraiment enlever mon mon t-shirt parce que euh, parce que du coup je me serais retrouvé à poil et franchement pouf, il caille de ouf donc ah cool ou pas ou pas ou pas ouais je vous disais il caille de ouf et franchement si je peux éviter de me mettre à walper, euh, c'est bien c'est plutôt très bien allez on poursuit il nous reste trois boosters est-ce qu'on va encore éclater les quotas est-ce qu'on va encore éclater les quotas Allez, 4. Franchement, je me suis gavé sur cette série. Mais j'adore, franchement, j'adore la série. Énergie acier, récupération d'énergie, énergie de distorsion, alligature, negapi, chapignon, matoufeu. Ah bon, ok, le petit Pikachu. Très bien de Kagimaru Mino. Le Mustéboué en reverse. Et derrière... Ah bah c'est Shaymin. Ouais, Shaymin. Que nous avons déjà eu et qui retombe à nouveau. Ok, très bien. Allez, bah il nous reste deux boosters. Est-ce qu'on va encore se payer le luxe de se choper quelque chose Bah écoutez, hein, si je dois, si j'aimerais avoir quelque chose, euh, si j'aimerais, ça veut rien dire. Si je devais, voilà, euh, si je devais choper quelque chose, j'aimerais. Voilà, c'est peut-être plus français comme ça. Hein. Ouais, bon, vous savez, on est dimanche, je suis un peu fatigué, je travaille comme un zoulou en ce moment. Bah j'aimerais choper le Genesect. Voilà. Si je pouvais jouer le Genesect brillant, ce serait cool. J'ouvrirais je... voilà, encore le coffret au et j'en aurais terminé avec euh, SL3.5. Vortand qui a été plus que généreuse avec moi. Énergie de distorsion. Negapi, en tout cas plus qu'il n'en faut. Matoufeu. Abo. Pikachu, bah, c'est le même booster. Hein. Charter, celle-ci elle tombe beaucoup en reverse. Et derrière, oh là là, bah un Double Raichu. Un Double Raichu GX les copains. Un Double Raichu GX. Une doublette Raichu à la 6, s'il vous plaît, mes amis. Ok, bah parfait. Bon bah ça nous gonfle le quota à 4 ultras. Plus la OO, ça nous fait 5. Parce que moi je considère que les brillants sont des ultras, hein, puisqu'elles tombent pas si souvent que ça, hein, malgré tout. Bon après la série est très chanceuse, hein, mais euh, voilà. Au pro proportionnellement au nombre de boosters ouverts, effectivement, elle est très chanceuse. C'est sûr que si vous ouvrez un seul coffret, il est pas forcément dit que vous trouvez quelque chose, mais en tout cas, voilà. Allez, bah du coup, dernière, euh, dernier booster. Énergie Combat, Alligature. Est-ce qu'on va finir en beauté Super rappel. Bon, l'ouverture est déjà très belle. Hein. On va franchement pas se plaindre. Limonde, Posipi, Chacripant, Gringolem. Quel C'est une holo reverse. Eh bah, ben parfait. Et derrière Non, ce ne sera pas une holo. Ce sera bah, peut-être pas le cas. Ah non, Manafi. Bon, bah, écoutez, mes amis, hein, je vais pousser le tas de communes, peu commune. Et reverse. Donc, oui, je vous disais, il y a eu pas mal de choses qui ont bougé un peu cette semaine pour moi. Je vous en parlerai, je pense, bah, dans une vidéo euh, spéciale. Voilà, ça se passe. Euh, bon, certains ont déjà remarqué, hein, certains m'ont déjà envoyé des messages. Ça se passe principalement sur eBay. Mais euh, voilà, je vous en reparlerai en temps voulu. Alors, au niveau de la pioche, je vais vous faire un petit tri. Un petit tri. Je sais pas pourquoi en ce moment je prends l'accent marseillais, enfin je prends l'accent. S'il si y a des Marseillais qui m'écoutent, à mon avis, ils doivent me, ils doivent me détester parce que j'ai un accent purement dégueulasse. Mais, euh, ouais, je sais pas pourquoi je prends cet accent du sud. Bon, des fois, tout ne s'explique pas dans la vie, mes amis. Allez, Iveltal en holo que nous avons eu. Donc, ça, c'est le petit récap, hein. très bien. La Viridium que nous avons eu en holo et que nous avons eu. Ah bah, je vous la montrerai après. Ou pas. Nous avons eu deux fois Shaimin. Voilà de Mizue et nous avons eu Manafi en holographique de Kagemaru Imeno. je vous rappelle que dans cette série hein, tout, tous les boosters comportent au minimum une euh, holographique en holo River, on s'est payé le luxe de choper Caldeo et Viridium bon Viridium que j'ai déjà en plusieurs exemplaires hein, mais voilà Caldeo je l'avais pas et puis ensuite au niveau des ultras ben alors là c'est le feu nous avons eu deux Raichu GX voilà Donc, ça c'est le top on a eu cette magnifique, sublimissime, extraordinaire euh, Mewtwo GX secrète, donc voilà, de la série, hein, qui est un gros clin d'œil au premier film, hein, bien sûr. Pour ceux qui ont vu le premier film, hein, ça vous rappellera forcément euh, des souvenirs hein, dans le labo, hein, avec Giovanni et tout ça. Donc euh, voilà, ça c'est le top. Et puis, nous avons eu un mm, Girachi brillant, qui est un peu de traviole, hein, vous voyez un peu la. La ligne ici hein, un peu de travers mais voilà là, la, la la carte est top et puis nous avons eu évidemment ce oo brillant voilà qui rajoute euh, au, à la série déjà les brillants qui existent hein. euh, donc voilà ça c'est plutôt cool et puis euh, du coup dans le coffret Oho qui devrait sortir mi décembre à peu près vous trouverez également le celebi et le lugia voilà bon bah écoutez cette vidéo est terminée hein. je pense qu'elle vous a plu donc je vous invite à laisser un petit like je vous invite à commenter. Dites-moi ce que vous avez en termes de pioche, vous dans les, dans les coffrets, euh, dans les coffrets, dans les ETB, ou dans d'autres euh, items. Euh, voilà. Dites-moi si vous avez été aussi chanceux que moi, parce que moi personnellement la série m'a très bien réussi. Et puis euh, bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Je vous mettrai quelques petits liens ici. Et puis on se retrouve mercredi, je pense, pour une poker réception et une vidéo cadeau d'abonné. Voilà. Et ben bah, écoutez, je vous embrasse. Bon week-end. Profitez bien euh, de votre week-end. Et puis on se voit mercredi. Ciao ciao tout le monde